Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Jules et Axel. Nous sommes sur FIFA 16 sur Xbox One. Allez, donc moi je suis le Bayern de Munich et Jules est Nantes. Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai le langage. Oula, mais Robin! Voilà, donc je suis pas un super joueur de FIFA. En fait, ils s'entraînent tous les jours, mais je m'entraîne pas tous les jours, mais je joue quand j'ai le temps, on va dire. En fait, t'as tout le temps le temps, mais oui, bon. Oui, il a tout le temps le temps. Voilà, donc on va en dire. En gros, mais... il joue tous les soirs avant de se coucher. C'est pas vrai, ça, par contre. Bah, je suis et Jules n'a pas FIFA 16, du coup. Mais bon, j'ai FIFA 14. Mais donc, il a un FIFA déjà, c'est déjà ça. Mais à Noël. À Noël, va-t-il avoir FIFA 16? Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Oh, Ryu. Donc, il est bon ton goal, hein. Ouais, bah c'est Rioulet. Toi, tu rigoles jamais aux blagues. Moi Oh, mais Rioulet. Regarde, tu trouves que mes blagues sont pas drôles, mais tu dis exactement les mêmes. Et là, ça te fait marrer, par contre, hein. Normal, dis de ma part, c'est mieux. Ah bon? Il y a mon, là. Bah oui. Mais c'est toi qui l'as fait, là, non? Bah non. Donc moi, j'ai une stratégie pour tirer mes corners. Après, tout le monde a sa stratégie. Sauf que moi, c'est plutôt une stratégie complètement nulle. Mais bon, il l'aime bien quand même. Il dit qu'elle est nulle, mais il la fait toujours. Ouais, bah là, tu vas marquer, là, de toute façon. Oh non. Bah, non. Oh là là, c'est bien. Donc, Nantes, c'est pas très équilibré face au Bayern. T'imagines, c'est Nantes qui gagne. Oh bah c'est possible, hein, tu sais, je dis pas le contraire. Nantes, c'est plutôt une bonne équipe, hein. Mais bon, le Bayern, c'est aussi une bonne équipe. Et Ryu, pour l'instant, fait des beaux arrêts. Comme dirait Jules, Ryu l'est. Je ferai des beaux arrêts. Oui, bon. Je veux dire, c'est Ryu qui l'est. Bon, par contre, c'est la 35e fois qu'on l'a fait, la blague. Ouais, on va arrêter avec des blagues toutes pourrites comme ça, parce que... C'est pas moi qui a commencé. C'est Jules. Ouais. Je vais dire à ma maman. En tout cas, c'était sympa de me donner la balle. Non, en fait, je voulais faire une passe. Mais... C'est pas grave. Mais à toi aussi, c'était gentil de me donner la balle. Ah, mais de rien. De rien, cher ami. Arrêtez de faire de la courtoisie. Moi, je suis allé au casse-pipe sur cette action. Il est allé au casse-pipe. Hervé Matou, Hervé le chat. Love. Je viens de faire une blague, mais personne ne l'a capté. Le caméraman qui rigole. Hervé Matou, Hervé Matou. Ah. Là, par contre, personne ne rigole. Ah non, alors là, encore moins. Faut que Ryu arrête de faire des arrêts. En tout cas, on entend Gabriel qui fait des petites interventions. Genre, lol. D'accord. Lol. Il y a beaucoup de filles dans notre classe qui font lol. Lol. Eh ouais, MDR. MDR, moi j'adore ça. Lol. Elle est trop drôle ta blague. T'es ma meilleure soirée. Bon. Voilà. Là, on les imite, mais très bien. Bah oui. En même temps, t'es une fille. Bah toi, alors. Moi, si j'en suis une, toi, t'es quoi avec tes cheveux super longs? Le mec, c'est Spider cheveux longs. Lol. Toi, t'es Spider cochon, Jules, alors. Spider cheveux longs. Oh putain. Je viens de tirer un. On ne dit pas de chromo. Gros mot. Promo vacances. Ah oui, je m'en rappelle. Avant, Brian... Il dit, au lieu de dire grand pont... Alors, Brian, c'est un copain. Avant de dire, au lieu de dire grand pont, il disait crampon. Oh, le petit bébé, il savait pas parler. Et c'est à quel âge qu'il avait dit ça? Il y a même pas un an. Il disait crampon à la place de grand pont. Ah, tout va bien? Non, quand il avait 9 ans, il faisait petit bébé. Enfin, il avait 8 ans, parce que lui, il est tout petit. Mais... Si Brian, quand il était petit aussi, au lieu de dire spectacle, il disait spectacle.
Si Brian, tu regardes cette vidéo, bah on fait pas, on te fait pas de gros bisous. Des bisous partout. Oh, arrête avec ton single de bisounours de merde là, parce que ton single. Bah, c'est vrai, c'est ça. Enfin, Gabriel est resté en enfance, on va dire. Ouais, c'est vrai. Il adore les bisounours, hein. Faut pas se le cacher entre nous, c'est sûr. Mais c'est vrai, hein, moi je regarde les bisounours. Et il a même pas de petite soeur ou de petit frère. Il a un grand frère. Ouais. Et il est au collège alors. Oui, et il regarde pas les bisounours. Et si, il regarde maintenant. Mon frère, si tu regardes la vidéo. Eh ben, on ne fait pas des bisous, hein, dans le cou. Un match vraiment passionnant. Ah oui, il n'y a pas du tout d'action. Hein. Nous sommes désolés pour les gens qui regardent cette vidéo. Mais si, il y a des actions, mais il y a toujours mon goal en fait. Ouais, voilà. Sans et ça, pour l'instant, Jules n'a pas pu tirer une fois. Il n'y a que moi qui tire. Mais bon, Riolet. Bon, par contre, après, on va voir combien t'as tiré de corner depuis le début du match. Hein. Oh, j'en ai peut-être 5. C'est pas beaucoup ça. Pas du tout 5. Hein. Bah si. Il en faut au moins 7. Ah bon? Bah ouais. Bah, c'est cool. Il y a faute là, le monsieur. Carton rouge. Il est dans son cul, DJ. C'est DJ. Ah, c'est Gérard DJ. C'est Brice DJ. Oh non, une très grosse occasion pour AXA. Ouh là, je la voyais dedans. Pour AXA, réinventer. Go. Alors, ça, là, c'est la deuxième mi-temps. Engagement, Jules. En même temps. Ils ont fait du favoritisme. Non. C'est juste moi qui ai eu l'engueule en premier, du coup. Ouais. Mais bon, Gabriel, il est en train d'apprendre les règles du foot, au fait. Ouais. Il a même acheté un livre pour les bébés, pour le foot. Et donc, j'ai comment apprendre le foot, voilà. J'ai fait la deuxième frappe du match pour moi. Alors, c'est vraiment bien. C'est vraiment vrai. C'est vraiment. Et pourquoi ça fait où, Axel? Parce que Rio. Arrête avec ta blague, là. Oh là là. Moi quand j'étais petit, je regardais Robocart Poli. Ah merde, t'es pas sorti. Non. Eh ben moi, je regardais Ah bon? Ouais. Tu regardais Petit Lutin? Et je regardais aussi Mickey Mouse. C'est qui Petit Lutin? Et qui connaît les creepypasta de Mickey Mouse? Parce que ça fait très peur, hein. Non. Ça, c'est une creepypasta. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une creepypasta, c'est des légendes flippantes d'Internet. C'est ça? Oh non! Ne regardez pas surtout top 10 des légendes flippantes sur Internet. Si, si, bah regardez comme ça. Ah, regardez, vous allez flipper. Regardez surtout le soir. Vous ne ferez pas... Non, vous peut-être ferez pas dans le cauchemar. Soir, mais avec des écouteurs et dans le noir. Non, mais vous ne ferez pas de cauchemar. Vous ne ferez pas de cauchemar. Bah, moi, j'en faisais, quoi. Quand j'ai regardé. Donc la chaîne de Gabriel, à mon avis, c'est une chaîne pas très connue. Hein. Voilà. Hein. Oh le con. Ouais, 1-0 pour Jules. Pour Nantes. Mais le Bayern de Munich. Oh, il a fait une galipette. Ah. C'est vrai. Ils sont encore immatures, ces petits enfants. Salade. C'est la première fois que je t'entends dire ce mot, en fait. Parce qu'en fait, t'es pas nature. Mature, pardon. Mais non, mais toi, apprends à parler. Hein. C'est ce que je viens de dire, que vous êtes pas encore mature alors. Non, mais en même temps, moi, je zozote. Zozote. Toi, tu bégayes, ouais. Bébé bégaye. Mais arrête. Hein. En fait, là, tu te moques des gens qui bégayent. Non, parce que je bébégue. Ah, ça veut dire que je me moque de moi. Parce qu'en vrai, tu bégayes pas. Ah oui, c'est vrai, mais avant, je bégayais. Non, mais toi, tu répétais tout ce que tu disais, en fait. Ouais. Et ça va? Ça va? Ça va? Non, mais... En fait, t'es comme le petit prince, toi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit, le petit prince? Je ne... En fait... Il répète tout, c'est une balance. Non, je déconne. Les fleurs... Enfin, les épines des fleurs, elles servent à quoi? Les épines des fleurs, elles servent à quoi? Tout le monde s'en fout de ça! Bon, c'est pas grave. Le mec, il fait du placement de produits... Allez acheter le livre du petit prince. Ouais, c'est à Carrefour. Ou à U, t'es raciste de U, toi. Leclerc est moins cher que Carrefour. C'est vrai. Non, mais
Bah, il dit c'est vrai parce que sa maman travaille à Leclerc. Bah oui, c'est vrai. Moi, c'est pas vrai. Hein. Ma maman, elle travaille pas à Leclerc. Puis je parle à Jules. Ah non. Dommage, Jules. Oh. Quoi, il y a hors jeu, monsieur. Hors jeu, monsieur. On a vu des pieds, on ne sait pas si c'est les pieds de qui. J'aimerais pas faire, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens que je connais vont regarder cette vidéo et ils vont se foutre de ma gueule après. Ouais, parce que. Mais non, ils se diront en même temps, c'était Jules en face. Si je perds, on recommence. Non. Si. Non. Si. Si, non. Si on perd, t'es un gros rageux. Ah bah si je perds, je serai en train de rager après. Hein. Bah oui. Ouais, mais s'il y a un partout, on recommence pas. Et de toute façon, on recommencera pas même si tu perds. Et de toute façon, s'il y a un partout, on fait les pénaux. On fera les pénalties directes, hein, parce que... Parce que c'est chiant, la prolongation. Surtout par... Ouais, mais il faut déjà qu'il y ait égalité. Ouais, mais il va avoir égalité, tu vas voir. C'est la 80e minute, il y a le temps encore. Surtout avec moi. Et c'est doucement... Voilà, et là, c'est il va marquer l'effet papillon. Bon, je chante ça, moi. Je sais pas. Sur les ponts des lignes. C'est comme Otis qui chante. Chat, fais-le, tout petit rien. C'est qui chante ça, déjà? Bah, c'est Choc. C'est Claude François. Ah oui. C'est Choc. Non, c'est Clo-Clo. C'est qui, Chlorine. C'est qui le Chlorine? C'est ton amoureux secret. C'est non Chlorine. C'est ton amoureux secret. Et oui, égalisation. Tire le pimpon sur le chihuahua. Bon, en fait, on s'en fout de cette chanson. Ouh, j'avais peur de perdre, mais là... Mais bon, de ce qui a marqué. Mais comme Jules n'est pas très fort au pénalty, j'ai beaucoup de chance de gagner si on va au pénalty. Parce que t'es un tricheur. Bon. Il a choisi de faire les pénalties pour pas que je gagne, parce qu'il avait peur. Oh non, Hurricane! Dégage, Hurricane! Désolé pour le bruit. C'est mon chien, tout simplement. Qui revient de la balade. Mais ça, tout le monde s'en fout. Et on sait que Axel est un geek maintenant, vu qu'il a geeké au lieu de faire une balade. Oh là là, Jérôme Boateng. Jérôme Boateng. Eh, hey, c'est quoi celui quand Messi avait dribblé là, il était tombé. Oh putain. Bon bah, on va faire les tirs au but. Donc, ouais, alors c'est Thomas Müller qui va commencer à tirer. Axel a beaucoup de chance. Bon, tu parles du bouton. On te relève un peu la caméra. Oh non, non, non. Ah, Jeanne, non, non, passe pas devant. Ah, c'est à moi. Donc là, c'est Vidal. Et oui, Vidal. C'est quoi son prénom à mon joueur? Oui, je sais. Oh non, je n'ai pas très attentif. Arrête, Jade. Jade, t'es magnifique. Pour ceux qui sont très curieux, comme les renards. Ah oui. T'as vu Jade. Axel est en train de gagner. Ouais. Non. Tu marques et c'est fini. C'est vrai? Non. Allez, arrêtez au Robin. Oh putain, non. Désolé pour ce qui vient de se passer. Putain, Jade. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, désolé. Si mars, c'est terminé. Ben, je crois. Oh mais non. Oh non. Oui. Oh, j'ai gagné. Oh non. Et c'est fini.